Et pour toutes les joueuses dans la salle, viens Firmin Richard, une des héroïnes de ce film. Allez, va pas te casser une jambe, hein. Que tu n'as qu'une étoile, hein, pour l'instant. Alors Firmin, c'est une découverte de ce festival, parce qu'elle était, c'est la première fois qu'elle vient. L'histoire de ce film, parce que d'abord Lucien, les gens ne le connaissent pas, hein, Lucien Jean-Baptiste qui est le réalisateur. Lucien Jean-Baptiste est un grand comédien, effectivement, on s'est connu. D'abord, je l'ai vu en tant que comédien, on s'est retrouvé après dans une même salle de théâtre. Il jouait les Monty Python, je jouais les monologues du Vagin. Et c'est vrai qu'il m'avait parlé de son histoire, et ce film-là que vous allez voir est tiré de ses souvenirs d'enfant. Ce film, donc, est-ce que tu skis? Ben, alors, que je te dise, alors, que je vous dise, messieurs, dames, j'ai assuré moi-même mes cascades, oh. Les cascades que vous allez voir là. Parce que dans une vie antérieure, j'ai effectivement encadré des enfants, donc j'ai dû faire les deux stages de CBA pour savoir skier. Donc je savais skier, c'est pourquoi j'ai pu moi-même assurer mes cascades. Mais je peux vous dire que le ski, c'est pas ma tasse de thé, je n'aime pas ça pour autant. Mais bon, j'ai dû le faire. On se doutait quand même que c'est pas vraiment le climat idéal, il vaut mieux... Non, mais il y a des gens qui aiment. Lucien adore skier, il skie très bien. Contrairement à ce qu'on peut voir là, il skie très bien, il a adoré. Mais moi-même, non, ça ne m'attire pas. J'ai dû le faire par nécessité, par obligation, mais je n'aime pas skier. J'aime pas trop le... quand il fait trop froid. J'aime bien la neige quand il y a beaucoup de soleil et à dose homéopathique. Quand c'est trop blanc, trop longtemps, ça me déprime. Firmin Richard. Voilà, bonne projection. À tout à l'heure. Merci Firmin Richard, la première étoile. Pourquoi je ne vois jamais au ski, non? Parce que c'est très cher la montagne, et comme papa travaille pas beaucoup en ce moment... Feignant, vacabond, bon à rien. Et pourquoi on partirait pas au ski justement, hein? Ouais! Au ski. Alors, une semaine de bouffe, 300 euros. Équipement, 400 euros. Forfait. Les skis, les bâtons et les chaussures. 2000 euros. Pourquoi j'ai dit au gamin qu'on partirait au ski? Non, je pense que c'est mieux que tu partes avec les enfants sans moi. Je suis dit, j'y arriverai jamais sans toi. La bouffe, le linge, la vaisselle, tout ça. Qu'est-ce que c'est pas ça? Rien. Il y a toujours un couillon qui croit qu'il va pouvoir monter sans l'échelle. Papa, papa, viens voir vite! Il y a une drôle de voiture garée devant la maison. Elle est pleine de noirs. T'as jamais vu de noirs? Seigneur. À cette altitude, c'est plutôt rare. Bonjour. Bonjour. C'est pour la location. Vous ne m'avez pas dit que vous étiez 5. Tu viens, Jus, on va à Chamossière. On va se faire une noire. Ah, c'est fin, ça. Papa, pourquoi je suis pas blanche? Maintenant, c'est quoi ces réflexions? De toute façon, on est comme on est, on n'a pas le choix. Non, c'est mieux. Je vous fais un chèque. Ah, surtout pas. Que du black. C'est moi, j'y arrive pas sans toi. Votre forfait, vous l'avez mis où? Quoi? Comment on va faire pour ma première étoile? Tu vas la voir, ta première étoile. Un homme noir en noir la nuit, c'est plus difficile à retrouver qu'un homme blanc en blanc le jour. Sauf si votre blanc est dans la neige, monsieur. Les enfants, c'est pas grave. Alors, mesdames, on peut avoir un petit... Formidable, mais vraiment formidable. À voir. Beaucoup de messages quand même. Hein. Plein de messages, surtout pour aujourd'hui. Et quoi vous dire d'autre que c'était très agréable. Notre doudou est merveilleuse. C'est magnifique, magnifique. En donc plus, on a la chance d'avoir l'actrice en scène. Alors ça, déjà, ça fait quelque chose d'un peu mieux. C'est bien. Hein. Non, mais alors vraiment, très, très bien, je me suis régalé. Merci. Bonjour. C'était génial. J'ai discuté avec Firmin hier, je l'ai vu déjà. Il n'y a pas une fausse note. Ça fait du bien avec l'époque que nous vivons. Il y a beaucoup de messages quand même. Absolument. Oh, j'espère que ça va servir aussi. Mon Dieu. Énormément de messages. Je l'ai vu hier, j'ai discuté avec elle, j'étais avec elle maintenant, je viens de l'apprendre. C'est merveilleux. TV avait envie de vous rencontrer parce qu'on a fait un micro-trottoir tout de suite à la sortie et les gens sont enchantés. C'est vrai que c'est un film qui remplit de bonheur.
Et moi, je prends autant de plaisir à le revoir. À le revoir avec un public différent chaque fois. Et je suis autant émue, je suis toujours très, très touchée. J'ai du mal à ne pas verser ma petite larme à la fin. Et c'est vrai que c'est un très beau film. C'est un beau challenge pour Lucien. Alors, je trouve un peu dommage aujourd'hui que je sois seule à tout récupérer. J'aurais bien aimé qu'il soit là avec moi pour partager ce bonheur, mais bon. Alors, beaucoup nous ont dit, on se souvient de Juliette et Romuald, et c'était vrai que ça fait un petit peu penser à ce genre de film qui donne beaucoup de messages aussi. Oui, les messages sont là, ce n'est pas du tout le même genre, mais c'est toujours un plaisir à dire les choses simplement, raconter des choses simples, les choses que nous vivons simplement aux gens. Et les gens les reçoivent 5 sur 5. Il n'y a pas besoin de leur faire un grand discours, il n'y a pas besoin d'appuyer. C'est juste nos vécus que nous racontons dans ces films. Au niveau du festival, donc vous allez rester jusqu'à la fin du festival? Je reste jusqu'à la fin, oui, puisque je fais partie du jury, donc je resterai jusqu'à la fin. C'est la première fois que je viens et c'est vrai qu'on m'en avait beaucoup parlé et je suis ravie. C'est très convivial, très sympa. Comme les festivals sont des lieux de rencontre, je rencontre des gens intéressants. Je crois que vous avez bien sympathisé ici. Hein? Oui, en règle générale, c'est vrai. Je sympathise très vite. Et surtout venir avec un film qui plaît autant, c'est encore, ça facilite les choses. Aujourd'hui, rire, c'est quand même important parce qu'on est tellement dans un climat de morosité quelquefois qu'on a besoin de films comme ça pour nous sortir de tout ça. Oui, je crois qu'on en a vraiment besoin. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Un plaisir de vous rencontrer. Je vous en prie, c'est un plaisir partagé.